Salut Internet, c'est Kamoff, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo en compagnie de mon ami Fabio. Fabio qui fait des acrobaties et qui... J'avais oublié de préciser qu'il y avait lui. Je suis arrivé là d'Avignon, frérot, ça va? Ah pas là, ça va ou quoi? tu viens de sauter la voiture Ouais, je suis arrivé à d'Avignon là. Mais en vrai, je finissais. Il nous a coupé, je suis en compagnie de mon ami Fabio. Hein. Il a battu le record du monde de plat. Volontaire. Bah, combien de mètres? 43. 43, il a sauté 43 mètres. Mais je vais continuer, je vais monter encore. Donc si vous voulez voir ses exploits, rajoutez-le sur Instagram. Merci beaucoup, c'est plaisir. Et notre ami Farid, ça c'est ta voiture Farid. Ouais, exactement, ouais. Donc ça c'est la Batmobile, voilà. C'est ça. Et, ouais, et tu es venu avec d'Avignon, ouais. Pour qu'on puisse faire une vidéo. Exactement. Ouais. Il est incroyable ce mec. Il a acheté ça pour des événements, mariage, anniversaire, enterrement de vie de garçon, séminaire, événements sportifs, tout ce qui est événement. Voilà, donc si vous avez envie de louer sa voiture et de louer ses prestations, n'hésitez pas à le rajouter sur Instagram également. Donc tu me fais confiance aujourd'hui? Tu me la laisses ou pas? Je te fais confiance. Ah, j'ai... Non mais frérot, il a une Tesla, il est solvable. Donc ça oui, je suis solvable. Voilà. Donc on va prendre la voiture, on va la tester, on va l'essayer, on va s'amuser un petit peu avec. Et puis on se retrouve à la fin pour mon ressenti. Et... Allez, à de suite. Instincts going low, looking bad, like a bat with an eye patch. All black through the woods with a backpack and a lit match. Spark one time, get the whole city looking like a dark set of orange when I burn it down. What it is, what it do, whole clique getting live on the talk of the town. Like my city had a mouth and it wouldn't shut up. On a hunt for a crown, when I get it, I'ma burn it. Cause nobody in the game right now even deserve it. What I need a crown for anyway, I should have a halo the way that I made it penetrate turn a gold and a penny for your thoughts. Ah, tu veux pas me la vendre? Pourquoi? Je travaille avec, c'est mon gagne-pain. Ah. Là, l'occasion, tu la prends quand tu veux. À toi, tu vois, je te la prends quand tu veux. N'importe quand, tu me la prêtes? Ah, tu la prends quand tu veux, mais pour un tournage, tu me dis à l'occasion et tout. Il n'y a pas de souci. Parce que, franchement, les gars, je vous dis la vérité, c'est de la bombe atomique. Ah, oh, oh, frère! C'est quoi? Non! T'entends pas? C'est quoi? Mets le warning! Fantin! Oh putain! Non! Ah non! Oh, comme toi! C'est ton chien? C'est ton chien? Prends-le, amène-le au vétérinaire. Comment ça, amène-le au vétérinaire? Niquez quoi, frérot, reste tranquille. Comment ça, vous avez fait quoi, mon chien, là? On est en train de faire une doigt là. Mais quoi, bande de bâtard? Oh, parle-le. Explique. Il a rien à expliquer. Pourquoi tu parles pas de ton chien? C'est bon, vous allez rouler trop vite. C'est bon, crie pas. Frérot, ton chien, peut-être qu'il est juste. Prends-le, amène-le au vétérinaire. Je l'ai entendu. Oh, je vous fais plus dingue. Mais prends-tu pour la main, c'est moi qui conduis, regarde. J'en ai rien à foutre, vous êtes tous là, famille, Calme-toi, frérot, je suis désolé pour ton chien, on a pas fait exprès. Reste tranquille, frérot. Ça sert à rien de s'énerver, je suis désolé. Je vais aller contre toi, désolé. Touche pas. C'est bon, je touche pas, mais juste je m'excuse, voilà, mais regarde, on est à 30. Frérot, prends ton chien et explique. Si tu veux, je peux t'aider à le. Touchez pas mon chien. Et toi, arrête de filmer. Tu seras fouté de toute façon. Frérot, le chien, c'est plus important, prends le chien, s'en fout, on filme pas. Prends-le, amène-le au veto, frérot, c'est le plus important. Bougez pas, on va pas rester là, moi je vous le dis. C'est bon. T'as besoin d'aide ou pas? Non, ta voiture, elle a rien, Farid, au moins? Ta voiture? Frère, regarde, s'il y a eu ça quand t'as freiné, ça a dû. Regarde.
Je sais pas, t'as frotté dans quoi. Mais y'a pas de sang, y'a pas de sang, les gars, y'a pas de sang. Non, mais bon, après ça, c'est rien, je m'en bats. Non, mais peut-être que le chien, il est juste sonné. Peut-être qu'il est juste sonné en vrai. J'étais en train de. J'ai pas pu le. Après, vous voulez doucement. Qu'ils sont fait, on l'attend. Ah oui, on va l'attendre, moi je me taille pas, frérot. Mais frérot, à quel moment tu laisses un chien sans laisse? Il avait pas de laisse par contre. Mais non, il avait pas de laisse, on pouvait pas l'esquiver, frérot, gars, il est sorti de là. Impossible. Il revient. Il va bien, le chien, frérot? Tu l'as emmené au veto, le chien? Ouais, ma femme l'a emmené au veto. On fait comment maintenant? Je te paye, y'a pas de problème. Et quoi? Je te paye les frais de vétérinaire. Ouais, tu veux que je fasse quoi? Je peux pas faire plus? Comment? Question de paiement aussi, c'est question sentimentale. C'est mon chien. Mais t'as mon chien, un seul. Mais y'a même pas. Un seul. Mais y'a pas une trace de sang. C'est comme mon fils. Ok, ok, mais y'a pas de sang. Y'a pas de sang, t'as une. Pardon, tu vois ce que. Vous l'avez touché. Ah oui, je l'ai touché. Alors, on va pas rester là. Moi, je voulais dire. Attends, frérot, ok, moi, attends. Tu vois, tu fais des menaces. Je te parle gentiment. Je te dis pas. Quoi, y'a pas à parler gentiment. Vous me l'avez écrasé. Tu parles méchamment? Non, bah écoute, vous me l'avez écrasé, c'est votre faute. Attends, on l'a pas écrasé, on l'a tamponné, on l'a pas écrasé, on l'a tamponné sans faire esprit. Non. Attends. Dans tous les cas, vous l'avez touché, vous l'avez percuté, à cause de vous, il est au veto. Écoute, on va faire simple. Dis-moi combien tu as de frais de veto, je te donne l'argent, et j'espère que ton chien il va vivre. Parce que moi, ça m'est jamais arrivé. Il me donne beaucoup. Les frais de veto, tu quoi? Vas-y, on va te payer les frais de veto. Tu vois combien ça coûte et... Les frais de veto, plus 10 000 euros. Ouais. Maintenant, ouais, mon gars. Poto, tu m'as pris pour une truc, frérot. Tu es là, tu me réclames 10 000 euros comme ça? Tu as rejeté quoi? Mais qu'est-ce que tu peux mettre dans ta sacoche? Non, mais tu peux mettre la main dans la sacoche. Écoutez, ça va être très simple. Vous savez quoi, vous voulez faire le malin? Vous allez me donner votre voiture. Moi, je vous le dis. On va te donner 10 000 euros. Attends, je t'explique. Oh, je t'explique. Oh! Ouais, c'est sûr. Ni te donner 10 000 euros ni la voiture, c'est bon? Oh, c'est moi là, donc je vais donner les frais de veto. Oui, si tu veux pas qu'on te donne, ouais, mec, cash. C'est bon? Comment il te parle, frérot? Viens. Reste là, toi aussi, Christian. Vas-y, on fait le mal comme ça, toi, non, vous allez rester ici. Vas-y, allez-moi dans la voiture, c'est bon. Conduis, Farid, c'est bon. Je devais te donner des frais de veto. La voiture, elle reste ici. Oui, voilà, elle reste ici, oui. Allez, monte dans la voiture. Ouais, vous faites le bruit parce que vous êtes trois. Non, Toto, alors je t'explique un truc. Non, mais c'est là. Ouais. Moi-même seul, je te prends, je te défonce. Ah ouais? Tranche la tête. Ouais. Même seul. Seul. Quand tu m'envoies dans un coin, je t'éclate la tête. Ah, tu veux, quand tu veux. Fais manger le trottoir. Ben, get bien. Ah, c'est toi. Ah ouais? Voyou, tu vas mettre un 5-30, tu vas décoller. Get bien. Mais get bien quoi? Allez, il a pas décollé. Qu'est-ce que tu as? Tu as peur de bien? On fait une tête tous les deux là-bas. Viens. On va faire un tête là-bas, un 3-2-3, t'inquiète. Appelle qui tu veux. Je vais me faire ma misère, les gars. Appelle qui tu veux, regarde, on reste. C'est bon, on reste. Là, on est là. C'est bon, appelle, vas-y. Oh les gars, non mais ça y est frérot, déjà je suis en tort à moitié. Déjà, je suis en tort à moitié, le mec il est là, il me dit tiens 300, tu me laisses la voiture, oh frérot, pute moi. Pourquoi tu fais nerveux comme ça en fait? C'est moi qui fais nerveux. Allez. T'es collé? Ouais, c'est mes gars. Venez ici, vous allez repartir comme ça. Frérot, je t'arrête de suite. Venez pas. Vous en les voyous, tranquille frérot. Venez te l'écraser, vous avez mon chien, ils l'ont écrasé frère. C'est les malins avec leur grosse caisse là. Guettez bien, la voiture est à nous maintenant. Vous allez rester ici, je vais repartir à toi frère. On va vous mettre un string, guettez bien. Vas-y, mets-moi un string, vas-y. Allez, vas-y. Vas-y, allez, mettez-moi un string, allez, vas-y. Vas-y. Vas-y, mets-moi un string. Vas-y, mets-moi un string. Vas-y, je t'ai géré, viens. Lâche-le. On va pas se disputer 20 ans. Je t'ai dit, je te donne les sous de voiture et tu vas rien prendre du tout. Frérot, tu vas ni prendre la voiture ni 10 000 euros, frérot. Si je vais te le prendre, tu vas rien faire, frérot. Arrête, je te dis. Question. Toi, question, tu veux, c'est bon, les gars? On fait quoi? Je vous pêche à tous? On est 4 contre 4. On fait quoi? Vous appelez de quoi? De quoi vous mêlez? Taillez-vous de là. En vrai, taillez-vous. J'ai pas votre âge, moi. Je vais me pêcher jusqu'à quand? Cherche, tu trouves. Eh, vous avez juste appelé de quoi? Vous êtes arrivé comme des bandits. Taillez-vous avant qu'on vous éclate la bouche, en vrai. Ouais. Frérot, ouais, j'ai me tiens comme il parle, frérot. Tu avais comme il parle, frère? Pas de coup. Il a laissé sa sacoche, c'est trop du cul. Vas-y, on s'en achète, frérot, parce qu'on sait jamais. Viens, on bouge. Vas-y.
Monte dans la... Je monte avec moi en tour. Ouais, vas-y, prends la Tesla. Bon les gars, on a réfléchi avec Farid. Fabio, il est rentré parce qu'il avait des trucs à faire. Donc il n'y a plus que Farid. C'est parti en bagarre, ce que vous voulez. Mais je regrette par rapport à son chien, moi. Surtout pour le chien, frérot. Et le mec, il a oublié sa sacoche. On a retrouvé dans sa sacoche toutes ses affaires personnelles, carte d'identité, machin. Il y a son numéro de téléphone. Il y avait son portefeuille et tout. Et dedans, il y avait même son numéro de téléphone. On va l'appeler, on va lui donner rendez-vous. Et j'espère qu'il s'est calmé. Parce que si c'est pas calmé, la sacoche. Je ne me trompe pas, c'est ça son numéro. Ouais. Ça fait... Ouais, non, c'est celui-là. Appelle, on va lui donner rendez-vous. Et je vais rendre la sacoche et je vais lui donner les sous. Et puis voilà. Et le monsieur avec qui on vous a percuté tout à l'heure. Je vous passe mon collègue deux secondes. Allô? Ouais. Bah, tu t'es calmé ou pas? J'étais pas très bien. Le chien. Et comment il va le chien? Le chien ça va, c'était juste une égratignure. Et on a juste eu le truc de béton là. Mais pourquoi il était sonné? Il était sonné, c'est ça? Ouais, il était juste sonné, mais il a rien, il a ni saignement, ni rien. Bah il a rien de cassé, ni rien. Non, il a rien. Bon, tu sais qu'on a ta sacoche là, tu as laissé ta sacoche tout à l'heure. Je vais la récupérer. Mais tu viens seul, hein, ne commence pas à faire des histoires ou quoi, frérot, s'il te plaît. Non, c'est bon, comme je vous ai dit, j'étais bourré, mais on l'adresse pas d'histoire, c'est bon. Voilà, tu nous dis combien ça t'a coûté le veto, on te rentre à sa coche, on donne les sous du veto, et puis tout le monde est content, le chien il a rien. Et... Oui, voilà. Allez, ça va, je t'envoie l'adresse par message. Ça marche. Vas-y, merci. Ça va, il avait l'air. Il avait l'air plutôt tranquille, hein. J'espère qu'il ne fait pas une pute, tu vois. Après, ça m'étonne pas qu'il était piaf tout à l'heure, frérot, vu son comportement. Ah ouais. Peut-être qu'il avait bu, il était le chien tout seul, frérot, tu vois ce que je veux dire. Donc, bon, écoutez, on lui a envoyé la position, il devrait arriver. Dès qu'il arrive, on se remet à filmer. Salut, frérot. Ouais, c'est lui, c'est sûr. Salut. Ouais. Ah, c'est sûr, il était piaf. Ouais. Ça va? C'est bon. Tu es venu seul? On dirait des personnes différentes. Voilà, on se connaît, tu te fais des grâces, tu fais sympa avec moi. Là, c'est moi, je déconne. Tiens, parce que je vois que tu viens. Tu pars en soirée ou quoi? Ouais, moi, je suis en soirée. Désolé pour le chien, désolé pour le coup, tu as vu, ça fait quelques heures que c'est passé maintenant. Ouais, frérot, tu es arrivé trop agressif et tout. Ouais, tiens, je vais te passer 100 balles. Ouais, merci. Pas de soucis. T'as pu tailler, mais. Bon allez, merci. T'as la chance qu'on roulait vraiment tranquille. On roulait doucement, parce qu'il y a des gens qui roulent à... Ah ouais. Salut. Salut. Farid, merci frérot. Avec grand plaisir. Désolé pour ce qui s'est passé. Non, franchement, t'as vu, c'était pas... T'inquiète. C'était pas de ma volonté. Même toi, tu l'as pas vu. Personne qui l'a vu, le chien. Incroyable. En fait, ta voiture, comme elle est basse... Elle est basse, on voit pas, frérot. On voit rien. Dis-toi, j'étais en train de filmer. Tu vois pas. Boum, direct. Ouais. Les gars, faites attention à vous quand vous prenez vos chiens. Mmh. Toujours en laisse, roulez pas vite. Et voilà, nous on se donne rendez-vous mercredi prochain à 18h pour une toute nouvelle vidéo. Et le dimanche prochain aussi pour une vidéo sur la chaîne secondaire. Je vous fais de grosses bises. C'était Kamoff, en chair et en off. Ciao.